Hey hey, c'est Jean, on se retrouve pour l'épisode 17 de Monster Hunter Online. Et ça y est, on a fini les quêtes du deuxième village, entre guillemets, parce que c'est pas forcément un village, une deuxième zone. Peu importe, on a fini toutes ces quêtes là. Et on va aller clear les petits PNJ au niveau des quests. Aussi, j'ai des cadeaux, donc on va les ouvrir. J'en ai un là avec des équipements, donc j'ai préféré en profiter pour qu'on le fasse ensemble. Et équipement de Gypseros pourbre en plus, hein. Ça, on va prendre, on va gratouiller celui-là, peu importe. Et encore du cadeau, toujours du cadeau. C'est ça qui est bon. Toujours des trucs gratuits, hein. Voilà. Et voilà. L'équipement, alors ça donne combien? 35 en défense, et moi j'ai du 35 aussi. Donc on va pas l'équiper, ça sert strictement à rien. Et je vais te parler à toi avant. Arena level 4. Ah, ok. On verra ça plus tard, ma toute belle. Je vais parler à Obélix. Obélix. Ah, putain, cette musique. Je crois que c'est dans le premier Astérix et Obélix là contre César. Dans le film. Pas l'animé, hein, le film. Très bonne musique. Très très bon Astérix et Obélix d'ailleurs. Même le deuxième, ça va, même s'il a un peu... con par dessus le bord, mais ça va encore. Et puis les autres, ouais, c'est de pire en pire en gros. Toujours mieux avant, hein. Tu sens le vieux qui dit ça. Toujours mieux avant, hein, les petits jeunes de maintenant. Ça prend des snapshots et ça se montre le fessier à tout bout de champ. Bref, je fais vraiment des délires de what the fuck là. Et on va aller au, comme j'ai dit, troisième village, troisième zone. Je sais pas comment appeler ça. Et du coup, ouais, on m'a dit par commentaire, hein, c'était vraiment pas des monstres en plus. Mais ça, je crois que je l'avais dit dans l'épisode précédent. Ouais. Ouais, je crois que je l'avais dit, donc on va pas le redire. Donc là, on arrive vraiment au monstre plus ici. Hein. Voilà. On va juste s'arrêter sur ça. Search order. Yes. I can, if you want. Oh. Et on va pouvoir déjà y aller. C'est bon ça? Pas sérieux encore. Boutage de gueule. Ouais, je vais garder ma longue sword. Ça pourrait être pas mal le paralyser. Ça ne nous embêtera pas trop. La connexion qui part un peu en vrille. J'espère que ça va revenir. J'espère, j'espère. Ah, le marteau. Il faudrait peut-être que je m'en refasse un, tiens. Oh, la pluie. Typhel Forest. C'est bon, la couille est revenue, on voit que c'est ouvert en haut à droite. Et ouais, c'est vrai que j'ai fait une lance, une nouvelle GS, une nouvelle longsword. Je crois que j'avais des idées comme quoi je voulais faire une nouvelle, un nouveau armor, nouveau marteau. Mais je l'ai pas fait. Ah, bah, va falloir que je fasse ça, moi. Histoire qu'on change. Et une SNS aussi. Le longsword, on a un peu vu. Pas trop intéressant. Je vais aller dans quelle zone, ma chérie? Tu me dis pas? On va aller tout droit. Les zones qu'on connaît un tout petit peu où il pourrait avoir le Bazarios. Je vais voir là-haut. Hop. Ouh. Et avant de lancer le jeu aussi, j'ai vu un truc, apparemment un événement avec le Rajang en tête d'image. Il est marqué level 50. Ou HR 50, je sais plus. Et donc c'est-à-dire qu'ils... Est-ce qu'ils ont mis le Rajang maintenant? C'est pas vraiment plus tard. Normalement, c'est la 2.0, je crois. On n'y est pas encore. Mon petit Rajang, hein. 4 You, hein. Tu m'étais cher. Bon, tellement qu'on le faisait à force, on a l'habitude, mais il m'était cher quand même. Ok, t'es là. Hop. Voilà, on va le laisser sortir. Et on va taper. Encore du Bazarios, encore du poulet. Toujours. Et toujours. J'espère de nouveaux monstres après. Ouais, ça a l'air de fonctionner quand je bouge mes... Le truc de direction. Oh putain, le coup de queue. Oh les violents. Ok, je reste loin. On va voir que le feu se barre. Et on revient taper. Je continue. Ouais, c'est sûr. Wouah! Oh, je prends cher. Parce que je crois que c'est ma faiblesse. Le feu, peut-être pour ça. Alors là, je vais devoir faire attention à cette grosse attaque. Pas qu'il crache le feu. C'est bon. Ici, on est tranquille. Il ne touche pas. Ok. Vas-y, je te suis, je te suis, je te suis. Vaut mieux faire ça, hein. Pas rester à sa portée de son... Voilà, de son gros truc de flamme. Parce que là, on pourrait prendre cher. Hop. La classe. Wouhou. Allez, tu paralyses quand? L'esquive. Ouais,
Ouais, les monstres font plus de coups de queue. Avant, c'était obligatoirement les deux coups de queue. Mais les monstres ne le font plus, ça. Oh, le rebond. Vas-y, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Yes. Yo! C'est ya! Ouais, ya, 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 ya. Wow! Faut pas stresser comme ça. Allez. Ah, mais il est sérieux. C'est bon, j'ai paralysé. T'as des roulés-boulés qu'il nous fait. J'aimerais bien couper sa queue, mais ça risque d'être assez long et c'est comme sa résistance. Ouais, ça va être trop chaud. Parce que j'aurais bien voulu le montrer. Mais bon, c'est juste un petit morceau de queue qui va partir en couille. Donc on va pouvoir dépecer aussi. Le rocher. Wow. Là, il fait quoi? Ok, du dodo. Je vais me soigner en attendant. Arrête! Calme-toi. Et recreuse. Bon, on va attendre. Je le suis. Je le follow. D'ailleurs, hein, ceux qui ne suivent pas sur Facebook ou Twitter, hein, faites-vous plaisir. Tout est dans la description de la vidéo, de toutes mes vidéos. Et si tu veux aller voir et jeter un coup d'œil à mon tableau des séries, j'ai répertorié toutes les séries que j'ai fait. Et si ça fait longtemps que tu es sur la chaîne, je sais pas si tu as remarqué, mais... Oula! You! You! Je vais pas avoir le choix de les esquiver là. Ouais. J'ai changé les miniatures d'à peu près toutes mes séries. Je trouve qu'elles ont beaucoup plus la classe maintenant. C'est vrai que tu te rends compte qu'avant tu faisais des trucs moches. Ah putain. Hello. Quelque part là. Ouais, c'est bon, j'ai changé. Pareil au niveau du commentaire. Hein. Putain, quand tu revois les vieilles vidéos, waouh. C'est moche, hein. Le premier Luigi's Mansion, je te dis pas, hein. C'est un truc du genre. Salut tout le monde, c'est Agito. Ça, j'étais pas bien et tout. Nos premières vidéos, c'est magique. Tu les regardes, tu te fous de ta gueule, quoi. Allez, lève-toi. Allez, gros des culs. Voilà. Moi, je m'approche pas, moi, j'ai des marqueurs. Au moins, pour pas de dégâts. Ah, mais quoi, tu veux toujours crier? Comme les filles, hein, on te demande rien et tu cries. Là, petite blessure. La queue. Très bon. Va te faire. Ah, c'est pour ça que je t'ai vu. J'ai vu venir. Hein. Essaye de faire gaffe qu'il fasse pas du feu sous ma gueule parce que t'as vu comment je prends cher avec le feu. Wow. Ça passe? Ça passe. Une petite blessure par-dessus le marché. Oui, 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 Germaine, t'inquiète pas. Je vais me défoncer! Les ailes. Et la patte. Allez! Waouh, 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 attends, 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 attends! Ah, t'as vu la vie que j'ai perdue sans rien prendre? Oh putain, la connexion! Oh la connexion! Folle petit poulet. What the fuck. J'ai un petit boost en X. Voilà. J'aurais peut-être pu garder pour ma superbe attaque. Il montrait. Wow. Je pense que le bazar c'est. Wow. Il est bientôt mort. Ouais, ça lagouille un petit peu, hein. Ça lagouille un petit peu, ça lagouille un petit peu. Tapis, il fait son taré là. Ça va le faire. Ouais, wesh. Are you fucking serious, man? Du coup, je sais pas trop ce qui se passe. Je suis sûr que je vais recevoir des dégâts dans la gueule comme ça. Regarde. T'as vu? En fait, ça m'indique une autre position alors j'y suis pas. C'est bon, je prends rien. C'est chiant, c'est ça fait des coups de pute comme ça là. Tiens! Vas-y, amuse-toi. Qu'est-ce que tu fais, toi, ma petite Lily, là? Pas prendre plein dans la gueule non plus, hein. Tombe! C'est ya! Ouh. Tant les serveurs sont bons, donc c'est bizarre. Sec, sec, sec. T'as vu le petit lag? Pas grave. On passe quand même.
vais prendre encore, tu vas voir. Je vais aiguiser. Est-ce que je reçois des dégâts? Non, c'est bon. Ça fait toujours peur ce truc, hein. Yo! On fait attention, il crache. Voilà! Attends, je joue vraiment beaucoup plus sécure avec le fait que j'ai une faiblesse en feu. Voilà, voilà. Non! Allez, tu joues sécure parce que voilà, t'as une faiblesse en feu. Le boss, il fait quoi? Il te fonce dans la gueule. Hop. Les monstres commencent à avoir du niveau là. Ils font bien plus mal. Ils sont beaucoup plus résistants parce que t'as tout ce que j'ai mis. Un Pazarios, normalement, c'est pas beaucoup de vie. Hein. Hop là. Ah, il va changer de zone. Oh. À part que je fasse des monstres qui sont plutôt intéressants, à part que je fasse de nouvelles armes, peut-être de nouvelles armures. Ça se corse. Petite ration. Alors qu'il s'éclate tout seul. Le petit matériaux. Est-ce que si je touche d'ici? Non, c'est bon. Ok, il sort avant. Ya! Ya! Na, you're not nagging anymore. Pur animé, c'est quoi, chasseuse de cartes. Là, ça va bientôt reprendre. Peut-être le temps que je poste cette vidéo, ça aura repris, je crois, ça. Au mois de juin. Au mois de juin, été. Sakura, chasseuse de cartes, revient avec une nouvelle saison. Je l'attends, hein. C'était mon premier anime quand j'étais petit. Animé manga, bien sûr, animation japonaise. Ça y a. Allez, je spam. Faiblesse. Aïe. Ah bah, il a faiblesse, je le prends cher. Moi, j'ai paralysé. Ok, très bien. Il a mis du temps à se paralyser, pourquoi pas. Non, pas le caillou. C'est pas bon, le caillou, là. Dans les fesses. Et je me barre. Voilà. Hop. Non. Voilà, je me soigne. Sois tranquille. Du dodo. Voilà, petit débat. Tranquille. Ok. Ça va passer en esquivant de ce côté. Voilà, comme ça, on ne prendra pas le feu. Je vais repasser derrière et on va taper les fesses. C'est bon, on l'a tué. Waouh. Eh ben, il y a encore un changement de niveau, hein, ça se sent. Mais moi, j'aime bien. Il y a du challenge comme ça. C'est très très bon. Ah là, merci, gentil Pazarios. Pas des trucs à ramasser quelque part? Non. Non. En zone 5, il y avait des insectes. Là-haut. Ah, dommage, j'aurais pas utilisé mon petit bisou. J'aurais eu mon attaque ultime. On aurait pu l'utiliser. Rien que pour toi. Rien que pour vous, espèce de grand fou. Bref. Donc, première quête de rang plus. Eh bien, c'est excellent. J'aime bien une fois. Par contre, les coups de lag de magie, là, j'en veux plus. Hein. Et magicien, magie système, ça, on a sorti un nouvel album. Tout du genre. Hein. Là, les monstres, ils font des choses vraiment magiques. Hein. Il y en a facilement. Le fait de te prendre cher. Hein. Là. Wow. Faut que je parle à toute la famille. Ok. Bon. On va retourner en quête, mais avant,
Je vais changer de serveur parce que là la connexion ça va pas. Ah! Quoique c'est revenu. Allez, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Encore? Mais non, mais vous êtes sérieux? Mais non, mais arrêtez de me foutre des Bazarios quand on n'est pas à la chasse au Bazarios. C'est quoi cet épisode Bazarios? Oui, je sais, j'ai dit plusieurs fois Bazarios. Est-ce qu'on change d'arme? Ça pourrait faire très mal ça. TGS. Allez, on change d'arme. Et c'est reparti. Oh, Bazarios, oh là là, je te jure. Je t'aime bien comme monstre, hein, ça c'est pas le problème. Mais on veut pas faire que ça. Les abonnés veulent voir de nouveaux monstres. Des monstres originaux, des trucs exclus Monster Hunter Online. Ah là 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 là. T'as faute ma petite Lily. Hein. Ah là là. Oui, 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 on va aller chasser ton Bazarios. On va le tuer. On espère que ça va mieux passer avec la GS. On va avoir notre attaque suprême. J'espère. Enfin, faut qu'on prenne assez cher. Hein? Ah, c'est un autre cristal Bazarios. Oh! Un cristal Bazarios. On va prendre. Merci. Intéressant, on va aller voir. Parce que c'est pas le Bazarios de Ruby, hein. Ruby qu'on a sur Katsu. Et je sais plus quel autre opus. Là, c'est cristal. Mm-hmm. Ça m'intrigue, on va aller voir ça. Côté, hop. Voilà. Bon, il n'est pas ici déjà. Je suppose qu'il est encore dans la même zone que tout à l'heure. Écoute, Jess, ça peut le faire, parce que si on charge, on rebondit pas. Il est là. Wow! Il est gros, là, non? Moi, ça. Wow! Je vais charger. Ah, t'es stylé! Hop! Protection, on charge. T'es stylé, mec! Voilà! Des petits coups de 224 dans la gueule. Ça fait plaisir. Ah! Calme-toi. Wow, 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 bien que le coup de queue m'a pas touché. Oh la hitbox! Oh la hitbox! Ta gueule! Il résiste, hein, par contre. Hein. Yeah. Calme-toi. Tiens! Arrête! Avec tes coups de cœur! Wouah wouah wouah! Il est excité! Oh, oh, il me fait flipper! Wouah! Oui, c'est bon la petite barre! Qu'est-ce qu'elle fout en haut là? J'ai vu que. J'ai pris cher! D'ailleurs! Pourquoi la barre reste? Il bon, faudra peut-être une petite déco et on se reconnectera parce que là. Entre le lag et la barre là-haut, enfin l'espèce de flèche là qui reste là, bizarre. Non! Pas le temps de me protéger. Hop. Voilà. Bon, je vais préférer me soigner complètement. Parce que si je reçois une grosse attaque de flamme. Je vais souffrir! Hein, le petit enfant! Tiens! Hop. Ah, ça va, on te veut pas. Ah non, putain, c'est vrai qu'on a le dodo x2. Non, 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 non. Gentil, Bazarios. Gentil. Sois 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 gentil. C'est bon. C'était très gentil. Faut demander des fois, hein. Faut pas avoir peur, hein. Hop là, ouais, j'aime bien la geste. Bazarios. Déjà? Calme-toi. Regardez. Ça là. Ça que je parle. Car pas de rester. Normalement, ça devrait bouger ce truc. C'est un peu bugué, hein. Weep.
Ta. Raté. Joli. Putain. Attends, j'ai pas une attaque normalement, un truc de protection. Ah si. Wow 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 wow. Wow wow wow. Oh, ça fait mal en plus. On découvre, hein, on découvre. Yeah. Non. Je crois que j'étais bon, moi. Tiens. Calme-toi. Un petit soin. Sec. Elle serait bien. Voilà. C'est ça que je voulais faire au début. Suya. Esquive. On va charger. Ramène ton cul. Eh tiens. Wow, heureusement qu'on l'a blessé. Ça j'aurais fait encore dodo. Ouais, non, pas esquive dedans, pas esquive dedans. Hop là. Bon. Wow, 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 wow. Donc toi ton feu reste un petit peu plus longtemps que ton cousin le Bazarios normal. Ok. Attention les gars. Wow. Là je fais que taper les ailes. D'accord, what the fuck. Attention, 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 attention. Et il creuse. Fais pas le fou comme ça. Fais pas le fou. Gentil. Non, 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 mais arrête. Il veut pas bouger de celui-là, décidément. Sec. Mais c'est pas beaucoup quand même, hein. Vraiment réussir à taper dans les fesses, mais comme il est assez gros, qui fait extrêmement mal. Ouais. Ça passe, ça passe. Prends le coup de queue aussi, ça passe. Et la blessure aussi, ça passe. Oh. Oh 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 oh. Alors j'ai guise. Allez, on tente. Je pense que ça passe puisqu'il attaque mes coéquipiers. Très bien. Ah merde, il n'y a plus de marqueur. Wow. What the fuck. What. Ok. Il fait des trucs chelous celui-là. Tiens. Wow. Joli. Et voilà, au sol. Yeah. Toujours pas mon attaque en arrière, hein. Je ne saurais pas, j'ai rebondi. J'ai rebondi encore. J'ai rebondi encore. Non, je l'ai toujours pas. Oh. Bah ça va, il avait pas beaucoup de vie. Oh, j'aurais pas mon attaque spéciale. Oh, dommage, putain. Cette attaque surpuissante en plus avec la GS. Je vais te montrer à quoi ça ressemble du coup. Le combo complet. Voilà. Alors, les ultimates avec la longue sword. Du coup, ça faisait bloquer plusieurs coups comme ça. Et ça finit avec une grosse attaque circulaire et devant. La GS, ça charge dans le sol. Donc, il faut rester appuyé. Et là, il faut relâcher. Il fait attaque cyclone en tapant en arrière. Et t'as aussi hein, celle-là, celle qu'on avait avant. Je préfère celle-là d'ailleurs, regarde. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Ici tu charges, ça relâche et ça retape avec un gros coup final. Mais bon, pour le moment j'ai activé celui-là en espérant qu'on pourra le faire un peu plus tard. Je veux montrer des choses. On prend pas assez cher, on prend pas assez cher. Ah là là. Bref. Ouais, le temps passe plutôt vite aussi. À qui dois-je parler? À toi, ma petite Lily. Très joli Bazarios, hein. J'aime bien. J'espère qu'on pourra le refaire. Hop. Alan. J'accepte.
Ton absence. Non, ton aberrance. J'accepte. Je sais pas ce que ça veut dire. Monster avec blade. Monstre avec épée. Ah! Ah oui, d'accord. On va le faire. Allez. La longsword. Ce que j'allais faire aussi avant, c'est manger un coup. Parce que j'en ai besoin. Ah, c'est bon, le truc avec les flèches en haut, il est parti. Mais ça déconne quand même. Donc, petite ellipse, je vais changer de caractère et on revient. Ah, voilà. Donc, j'ai dit on change de caractère parce que c'est la méthode la plus simple hein, pour pouvoir quitter sans quitter le jeu. On va directement à la section de personnages. On prend notre personnage et on se reconnecte. Et puis voilà. Hein. Sinon, on est obligé de quitter le jeu. Et après de relancer attaque plus 10% et plus 100%, je vais prendre ça. Ouais, j'ai vraiment besoin d'attaque et de vie, donc c'est vraiment parfait pour ce rang plus. Pour ces monstres de haut rang. Oups. Et monstre aux deux épées. Ou aux épées, tout court. Donc, nouveau monstre dans cette série. C'est quoi son nom déjà? Shogun Ermitor? Non. Ouais, j'ai rien à dire, je vais pas. Shogun Senator? Enfin, un truc du genre. Je sais plus, j'ai plus le nom. De toute façon, je pense que je le mettrai dans la description, dans le titre de la vidéo. Dark Veil Forest. Parce que souvent ce que je mets dans le titre de la vidéo ça représente la miniature et c'est ce qui a le plus important si je puis dire. Je devrais pas le dire parce que tout est important quand même dans ma série. Hein. Enfin je l'espère. J'espère que tu prends autant, toujours autant de plaisir. C'est quoi le livre là? Nouveau titre. Attends, zone 3 de l'autre côté. Mauvais côté. Fais demi-tour avec prudence. Oui, regarde, Lilia, elle est pas code, elle est restée ici. Elle m'a appelé. Agile, t'es con! C'est de l'autre côté. Je vais prendre mes rations. Allez, hop, la petite ration avant d'y aller. Et on y va! Cinématique. Ah, c'est l'étrange nomade qui va appeler les monstres. Oh. Oh. Putain, ça c'est un mec qui gère la fougère. Et en plus, il joue la longue soirée. Donc le nomade, c'est ce qui a appelé Céphadrome pour attaquer les marchands qui étaient en route dans le désert. Donc en gros, c'est un enfoiré. J'aime bien. Il y a un décalage entre le son des effets. C'était bizarre. Ça vient du jeu. Hein. Et ça, c'est le truc qu'il avait invoqué les monstres, ça. Oh, continuité de l'histoire. Hein. Ouais. Bah, je pense qu'il est parti vers là-haut. On l'a vu monter. Zone 7. Ouais, c'est ça. Let's go. Donc, on aide cet enfoiré qui a attaqué les autres. Mais on l'avait pas vu, de toute façon. Il était resté en pente. Dans son désert. Oh. On serait stylé quand même, hein, avec la tête de Gravios derrière, voilà. La tête du Gravios, hein, le papa du Bazarios. On prend le Gravios, je pense pas qu'il soit aussi gros. Yeah, par contre, c'est pas cool que tu te mettes au niveau du changement de zone. Hein. Sec. Où est-ce que tu vas? Attends, on va le faire venir, parce que là, voilà. Viens. Viens ici. Viens voir maman Agita. Au lieu de mettre des petits coups de pince. Allez. Sois gentil. Voilà. Et bien ici. Ya. Sec. On peut lui casser hein, son crâne derrière.
Je sais pas ce qu'on peut casser d'autre. Est-ce que sa corne on peut le casser? Je sais pas. C'est un monstre que je connais pas. Hein. J'ai connu que sur Monster Hunter. Vraiment, je connais pas ce monstre. On va pas casser son dos, on va taper sa tête. Ça doit être ça sa faiblesse, comme ses coéquipiers. Hein. Ses alliés. Yo! C'est. Tu prends bien cher, mec. Tu prends bien cher. Oh, 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 oh. Même les démos en mi-temps prennent pas cher. Oui, c'est eux que je disais, les coéquipiers. J'aurais dû employer un autre terme, mais bon. Yeah. Oh, on l'a énervé. Viens là. Bon, je vais guiser un attendant. Hop. Ouais, il est revenu un petit peu plus au milieu. C'est mieux. Et là, on te frappe dans la bouche. Dans ta trombine, ta vieille trogne. Il a l'air d'être assez faible comme on sera, parce que chaque fois je le blesse. C'est. Wow, 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 wow. Heureusement j'ai mis des PV. Encore énervé. Hop. Mais il fait pas mal de toute façon. Bon, bah, moi je peux l'enchaîner. Oh, il va déjà mourir. Tiens, tu partiras pas. Il veut partir. Il veut partir, il veut partir. Lily, cours. Allez, allez. La pince, elle va t'aider, elle va te pousser. Voilà. Voilà. Non mais tu vas où là? Tu te casses pas. Il est beau, hein. La corne, ça fait penser à une GS Rathalos Azur. C'est stylé. Colle de perles. Perle dorée. Wow. Un objet rare. Sénateur Shell. Lorank. Ah, c'est encore du Lorank. Bon, ça fait partie du Lorank, hein, bien sûr. Lorank, Lorank. J'en ai plus là, non? What the fuck. Enfin, on m'a dit c'était niveau 40 les plus. Donc, est-ce que c'est les quêtes élites les plus? Et ça, c'est des autres variétés? Je sais pas. Je suis un petit peu paumé, là. Ça va, il y a pas mal quand même de français qui sur les serveurs Monster Hunter Online. Donc 3-6, là où j'ai mon personnage, ce personnage-là. Qui me disent des choses des fois par commentaire, et du coup, ça mène un peu plus à comprendre les choses. Oui. Le petit sang, rien en drop. Enfin, quasi rien. J'ai 4 pots. Une cuirasse et un os. Ok. Bon, on va aller parler. Je vous manque un cadeau aussi. Hein. Je vais reposer tout ça hors caméra. Là. J'ai fini ton monstre. Pour une flûte. Ok. On va aller faire de la discussion comme ça, prochain épisode, on n'aura pas à le faire. Et on pourra directement partir en quête. S'il vous plaît, pas de Bazarios la prochaine fois. Oh là là. J'aime bien, mais j'en ai un peu ma claque là. Wow, 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 wow. Mais porta. Entrer et passer toutes les arènes de niveau 4. Je fasse des quêtes arènes. Ah, ma petite Nasika. Prends le thé là juste à côté. Hop. Parfait. Merci. Là-haut maintenant. Ta-da-da. Obélix. Voilà. Voilà. C'est bon. Quand un festival accepté. C'est là-haut. La taverne. T'as dû passer par l'autre côté, ça aurait été plus vite. Toi, Mademoiselle Boobs. Ah oui. Hop. Parfait. On retourne de l'autre côté. Moonbeam Forest.
un festival Day 3. Très bien. On va aller voir ça. Et on va s'arrêter ici. Voilà, c'était ce marchand-là que le truc il avait attaqué. Avec son apneu neuf. Allez. Merci. Ouais. On va être parti pour une nouvelle quête. Que va nous réserver le prochain épisode? Hypnocatrix. Eh bien encore. Ah, puis hey, on aura bientôt fini ce log, du coup on pourra aller encore à l'autre. Allez, j'espère que t'auras apprécié cet épisode. Je te donne rendez-vous pour l'épisode 18. Putain qu'on avance vite. Sur ce, porte-toi bien. Toi t'as raison, t'es une petite agito. Toi t'es un beau gosse. Et à la prochaine. Salut. Woo. You're sexy and you know it.